de la part de toute la famille. Bon, à toi, à tes... Non, arrête. Ah si, on a le droit de le dire. Et si, à tes 75 ans. De son temps, la maison était vivante. Elle l'est toujours. Oui, quand la famille est là, deux fois par an. En tout cas, pas moi, je l'ai pas dit. Non, on est content pour toi. Bien sûr, on sera tous là avec toi. J'espère que t'es là encore pour longtemps. Mais quand tu le seras plus, les enfants seront grands. Et tu sais très bien comme ils sont attachés à cette maison. On y viendra souvent. Oui, ils se sont attachés comme on est attaché à son enfance. Ils auront leur vie, leurs soucis, autre chose à faire qu'à se préoccuper de ce bric-à-brac d'un autre âge. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'après sa mort, la maison serait vendue. Que c'était inévitable. Mon souci, c'est qu'on soit tous d'accord que... prennent la décision qui convienne à tout le monde. Elle était la dernière grande passion de Paul. À cause de la famille, ils étaient obligés d'être discrets. Vous étiez petits, vous n'auriez pas compris. Non, faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne l'a pas dit. Et c'est vrai que les non-dits, il y en a ras-le-bol dans cette famille. Donc tout d'un coup, c'est dit, moi, ça m'a libéré. Ah ! J'imaginais rien du tout. Je suis très attaché à cette maison, comme je pensais que nous l'étions tous. Donc je ne faisais pas de calcul. Non. Ah, mais ça n'a rien à voir. Attends, j'y suis aussi attaché, mais. Vous voulez pas en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure ? Ben, j'aimerais aller au bout de cette conversation, tu vois, parce qu'en général, quand il y a vol à l'étalage et puis qu'il y a drogue, il y a aussi de garçons. Elle me disait aussi qu'un jour, ce sera mon tour d'emmener mes enfants ici. Quand j'en aurai.